Et c'est avec Nariman Mendil qui reçoit Mourad Belhajem, président d'ANNAFT, Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures. Nariman, bonjour. Hadjar, bonjour, madame, monsieur, bonjour, monsieur Belgium, bonjour. Bonjour. ANNAFT a lancé hier, dans le cadre d'une APEC, le premier appel d'offres dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures. Premier appel d'offres depuis 10 ans. Des périmètres sont donc proposés à l'investissement. Les détails, monsieur Belgium, vous les avez annoncés hier pour les potentiels investisseurs, monsieur Belgium. Est-ce qu'on peut savoir de quoi il s'agit plus exactement? Dans le cadre de la promotion du domaine minier hydrocarbures, bon, les gens qui étaient présents l'année passée ici en APEC, nous avons déclaré, on s'est engagé de lancer un appel à concurrence durant le quatrième trimestre 2024. On a tout préparé et nous avons tenu parole et aujourd'hui on a lancé officiellement l'appel à concurrence pour la conclusion de contrats hydrocarbures sous l'égide de la loi 1913. Pour la promotion, c'est d'attirer des investisseurs. Hein. C'est notre premier objectif, attirer des investisseurs dans le domaine exploration-production. On attend dans le lancement. Il y a eu, parce que la loi prévoit deux manières d'attirer les investisseurs ou de conclure des contrats hydrocarbures. Il y a la négociation directe et il y a le bid round. ANNAFT et son ATRAC travaillent en étroite collaboration. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit dans mon discours, nous avons pas moins de 12 contrats en phase de négociation. Ce qui est bien, c'est que de 7 contrats sont avec des investisseurs qui viennent, des compagnies d'énergie internationales qui viennent pour la première fois en Algérie. Ça, c'est un bon signe pour l'attractivité de notre loi, de notre cadre fiscal, notre cadre contractuel. Vous avez cité cette compagnie. Il s'agit de quelle compagnie, s'il vous plaît, Monsieur Belgium? Les compagnies, bon, il y a les Suédois Tidis Oil, il y a les Américains Exxon et Chevron, il y a la compagnie saoudienne Midead. Voilà, je cite ces quatre compagnies que j'ai en tête actuellement. Très bien. Donc, l'objectif, vous l'avez dit aujourd'hui, c'est d'attirer les investisseurs. La loi sur les hydrocarbures a été révisée dans cet objectif, tout comme la loi sur les investissements d'ailleurs. Aujourd'hui, elle commence donc à donner ses fruits. On voit un intérêt, monsieur Belgium. Avoir les 12 contrats en négociation, c'est déjà un signe fort que notre loi, disons que la loi est attractive. Il y a une flexibilité dans la loi. La flexibilité, c'est qu'on peut aller vers des contrats à partage de production, dans des contrats de concession ou des contrats de services à risque. Il y a aussi le régime fiscal. Le régime fiscal, selon Wood Mackenzie, est classé comme un des meilleurs en termes d'attractivité, un des meilleurs en Afrique aujourd'hui. En Afrique, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bid round, d'appels à concurrence qu'on lance en ce moment dans des pays africains. Donc l'Algérie confirme son attractivité donc pour les investissements dans les hydrocarbures. Exact, exact. Alors, des investissements qui ont pour but aujourd'hui d'augmenter la production des hydrocarbures, notamment du gaz. On sait que des objectifs sont tracés dans le domaine. Aujourd'hui, quelle est la stratégie mise en place au niveau d'ANNAFT pour justement exploiter de la meilleure manière, disons, les réserves dont dispose l'Algérie? Je commence par la stratégie d'ANNAFT pour les appels à concurrence. Nous avons travaillé sur une stratégie de lancement d'appels à concurrence ou de bid round. On a un plan de 5 ans. Chaque année, on lance un plan. Nous avons un portefeuille qui contient pas moins de 17 opportunités. Quand je dis 17, ça veut dire que les données sont prêtes, les dossiers sont prêts et on peut lancer à n'importe quel moment. Pour nous, c'était à la demande des compagnies pétrolières parce qu'on a fait beaucoup de réunions avec les compagnies pétrolières et on a essayé de collecter leurs préférences et leurs attentes de l'investissement en Algérie. Et tout le monde demande une visibilité sur l'appel à concurrence. C'est pas on lance cette année un appel à concurrence et on attend 5-10 ans pour lancer un autre. Non, on s'engage à lancer un appel à concurrence chaque année d'ici 5 ans et au-delà, Inch'Allah.
Alors, juste pour revenir sur l'appel qui a été lancé donc hier, il y a donc 6 blocs qui sont identifiés, qui sont ouverts donc à l'investissement. On a proposé 6 opportunités. 6 opportunités dans le jargon du oil and gas, onshore et ressources conventionnelles. Je précise, onshore et ressources conventionnelles. On a sélectionné pour nous c'est de très bons projets qui et on est en train de faire des sondages et on est optimiste pour leur attractivité pour les investisseurs. Ils représentent combien en matière de réserves? On a fait des calculs. Bon, on a fait des calculs. Ça va une fois développé, ça peut ramener entre. Je donne comme ça une idée jusqu'à 20 milliards par an, 20 milliards de mètres cubes par an. C'est des calculs préliminaires qu'on a fait. Et si ça se concrétise d'ici à moyen terme, on aura les 20 milliards par an. Alors, un des axes sur lesquels travaille ANAFT, c'est donc le développement ou le renouvellement des réserves. En la matière, il y a donc déjà ces périmètres qui sont identifiés, qui sont proposés donc aujourd'hui aux investisseurs. Il y a un travail qui continue à être fait pour les prochaines années, Monsieur Beljam. Bien sûr qu'il y a un travail en continu. Nous, on a plus focalisé sur le lancement de ce premier appel à la concurrence depuis la promulgation de la loi 1913. Les objectifs stratégiques qu'on a, c'est de renouveler les réserves, augmenter la production et augmenter les facteurs de récupération des gisements qui sont aujourd'hui en exploitation. La récupération, c'est justement un axe important. Quand on sait qu'aujourd'hui, la plupart des gisements qui sont en exploitation sont des gisements vieillissants, exploités depuis donc plusieurs décennies. Comment on œuvre aujourd'hui pour les maintenir, sachant que la demande, que ce soit sur le marché national ou même la demande à l'exportation, est de plus en plus importante, Monsieur Beljam? Pour les champs matures, au niveau d'ANAFT, nous avons une stratégie. Il y a des compagnies qui sont spécialisées dans ce qu'on appelle les projets IOR, c'est Enhanced Oil Recovery. C'est des compagnies qui savent aller au fond des réserves et récupérer le maximum et augmenter le facteur de récupération. On travaille avec beaucoup de compagnies et cette loi nous aide avec la possibilité d'avoir des contrats à service à risque qu'on va essayer de concrétiser Inch'Allah à court terme. Nous sommes en discussion avec pas mal de compagnies qui sont spécialisées dans l'augmentation des facteurs de récupération des champs matures. Des technologies nouvelles qui sont également utilisées en matière de récupération aujourd'hui. On sait que c'est un domaine qui évolue rapidement. Est-ce qu'il y a justement ce facteur qui est inclus dans la stratégie d'ANAFT? Principalement, c'est des technologies nouvelles, c'est un savoir-faire. Il y a des compagnies qui sont spécialisées dans les projets IOR. Ils ont le savoir-faire pour aller récupérer le maximum de pétrole brut. On passe à la suite pour la récupération. Donc aujourd'hui, les technologies, vous avez dit, est-ce qu'il y a un transfert de technologies qui se fait également? Parlons dans la récupération, l'augmentation du facteur de récupération ou des techniques pour récupérer le maximum. Il y a un savoir-faire. Donc on passe à ce qu'on appelle la récupération tertiaire où on utilise des produits chimiques. Il y a des technologies physiques pour récupérer le maximum. On travaille en collaboration avec ça. Le transfert de technologie se fait avec les opérateurs, pas avec les compagnies de services. Les opérateurs, on peut par exemple rajouter des dispositions contractuelles où on fixe des objectifs de résultats pour le transfert de technologie et le transfert de savoir-faire pour nos opérateurs. Un travail qui se fait également avec Sonatrach. On travaille en étroite collaboration avec Sonatrach parce qu'il n'y a pas de contrat d'association sans Sonatrach. Très bien. Alors quand on parle de récupération... Contrat hydrocarbures, je précise, pas contrat d'association, mais contrat hydrocarbures sans Sonatrach. Alors quand on parle de récupération, est-ce qu'il y a une évaluation aujourd'hui de ce qui a été fait jusque-là, Monsieur Beljam, pour les gisements vieillissants?
Est-ce qu'il y a une évaluation du travail qui est fait jusqu'à là? Il y a un constat aujourd'hui. On a des gisements où le facteur de récupération est bien. Et il y a d'autres où il reste faible. Donc on va, c'est en fonction des facteurs de récupération qu'on va cibler les champs candidats au projet EOR. Les réserves, Monsieur Belejem, donc aujourd'hui tout le travail c'est de les augmenter. Les réserves prouvées sont estimées à un peu plus de 4 300 millions, donc de tonnes équivalent pétrole. Les augmenter aujourd'hui, est-ce que nous avons les moyens, est-ce que nous avons la capacité, Monsieur Belejem? Les réserves, nous avons plus de 4 milliards de TEP aujourd'hui et notre production elle tourne autour de 200 millions de TEP par an. La seule manière de les augmenter, c'est de faire des découvertes, de nouvelles découvertes. J'ai parlé dans mon discours de la délinéation des découvertes qui sont faites et indéveloppées, mais le plus important, c'est d'intensifier le travail d'exploration et de faire d'autres découvertes. L'intensification du travail d'exploration, il en sera question justement dans la deuxième partie de l'émission. Restez avec nous, on revient dans quelques instants. Monsieur Belejem, nous le disions, l'exploration aujourd'hui est donc un des axes principaux sur lesquels travaille le secteur de l'énergie dans sa globalité, notamment à Neft. Aujourd'hui, il y a des financements, il y a des investissements, il y a des études également qui sont en cours pour ou dans le domaine de l'exploration. Pour Anoft, comment se déroule un peu ou comment se décline un peu cette stratégie? Parler de l'activité exploration en Algérie aujourd'hui, avec nous avons un domaine minier hydrocarbures de plus de 1,7 million de mètres cubes. La seule compagnie qui fait de l'exploration en Algérie, c'est Sonatrach. Sonatrach, elle a des ressources qui ne sont pas illimitées. Je parle de ressources financières, je parle de ressources humaines, je parle de toutes les ressources. Sonatrach ne peut pas explorer à elle seule tout le domaine minier d'hydrocarbures. Donc on a besoin d'investisseurs, on a besoin d'opérateurs investisseurs qui viennent faire de nouvelles découvertes qui vont nous permettre de renouveler les réserves et augmenter la production. Sans de nouvelles découvertes, on ne peut pas augmenter nos réserves ni augmenter la production. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des partenaires? Vous en avez parlé, vous avez dit qu'aujourd'hui on travaille avec des partenaires dans différents domaines. Mais pour l'exploration, est-ce qu'aujourd'hui on voit ces partenaires qui mettent justement la main à la pâte et qui participent dans cette activité, Monsieur Belejem? C'est l'objectif principal derrière, quand on parle de promotion et d'attirer des investisseurs, c'est l'objectif, c'est d'intensifier l'exploration. Tout contrat qui sera signé, j'ai dit, nous avons 12 contrats Sonatrach en phase de négociation. Et nous avons lancé hier le bid round pour attirer de 6 blocs pour attirer des investisseurs. Demain, si ces contrats rentrent en vigueur et on commence l'exécution des travaux, des programmes de travaux, on va commencer à faire de l'exploration et Inch'Allah on fera des découvertes. Le offshore, c'est un des potentiels, disons aujourd'hui, c'est un potentiel qui mérite d'être exploité, ou disons tous les spécialistes du domaine. Où en sont les études? Il y a des études qui ont été lancées en la matière. Où elles en sont aujourd'hui, Monsieur Belejem? Aujourd'hui, Anoft a un contrat multi-client avec la compagnie de services SLB. On a mis un budget de 12 millions de dollars pour faire de la prospection et des études. Et les premiers résultats montrent des indices positifs qui nous encouragent à proposer des opportunités offshore dans les prochains appels à concurrence. Le bid round 2025 ou 2026, il y aura un projet offshore, Inch'Allah. C'est dans les bassins qui ont déjà été explorés auparavant, Monsieur Belejem, ou c'est encore d'autres études? C'est une nouvelle étude qui est en cours actuellement à l'est, du côté est, la côte est. On aura plus de détails, Inch'Allah, prochainement. Alors, le offshore, vous dites qu'aujourd'hui, on devrait s'attendre à un appel pour le offshore dans les 2 années à venir, maximum. Le tout intervient aujourd'hui, que ce soit le bid round, Algeria bid round 2024 qui a été lancé hier,
ou que ce soit toutes ces études, toute cette exploration, prospection qui se fait, ça intervient dans une conjoncture internationale assez particulière, une demande très importante sur les énergies, particulièrement le gaz avec la transition énergétique. L'Algérie aujourd'hui est en pole position pour consolider sa position, Monsieur Beledjem, de fournisseur, notamment de fournisseur fiable pour l'Europe. Il y a un travail colossal qui se fait aujourd'hui au niveau de notre entreprise nationale Sonatrach pour augmenter la production et bien sûr satisfaire le marché national en priorité, ensuite alimenter nos clients habituels de l'Italie, l'Espagne, la Slovénie, l'Allemagne et tout. Il y a un travail qui se fait pour intensifier, augmenter la production et satisfaire la demande. Alors aujourd'hui, il y a des investissements qui sont lancés, il y a des appels d'offres également qui sont lancés, des travaux pour récupérer, des travaux de récupération également qui sont en cours. Des délais, quand est-ce qu'on verra les fruits de tous ces travaux? À partir de quand on verra les fruits de tous ces travaux, Monsieur Beledjem? C'est très simple. La réponse, aujourd'hui, on ne peut pas se prononcer sur on a des ambitions, mais tout sera clair une fois que les contrats sont signés. Il n'y a aucun contrat qui est signé. J'ai dit qu'il y a des négociations qui se font. Le bid round, nous, on compte durant le premier semestre, signer des contrats comme résultat de cet appel à concurrence. Une fois les contrats signés, on voit les programmes de travaux, on peut se prononcer quand est-ce qu'on aura la première production de l'hydrocarbure. ANAFT, après cet appel d'offres, elle s'engage donc à lancer deux nouveaux appels d'offres dans les années à venir. On ne va pas attendre donc 10 autres années pour voir d'appels d'offres, mais ANAFT travaille également sur d'autres axes pour développer la production d'hydrocarbures, pour renouveler les réserves. Quels sont les axes principaux sur lesquels travaille l'agence aujourd'hui, Monsieur Beledjem? Il faut comprendre que dans sa mission de promotion du domaine mini hydrocarbures, ANAFT, mis à part les bid rounds, tous les contrats qui sont aujourd'hui chez Sonatrach, c'est ANAFT qui a été l'initiatrice des projets. Ça commence avec une convention d'études. Comme ANAFT dispose de toutes les données, la banque de données nationale, donc il y a des compagnies qui se rapprochent d'ANAFT. Une fois que la compagnie est préqualifiée par ANAFT comme opérateur investisseur ou investisseur, donc il y a un accord de confidentialité qui se fait et ANAFT propose des opportunités. Donc les compagnies, ils étudient, ils évaluent, ils font leurs simulations, ils reviennent vers ANAFT sur une zone d'intérêt que ANAFT part avec ce partenaire ou cette compagnie chez Sonatrach pour commencer les négociations directes. Ça, c'est une partie de la promotion. Il y a aussi le bid round. Le bid round, je rappelle que suite, on a tenu 1 milliard de réunions, bon, pas 1 milliard, mais on a tenu beaucoup de réunions avec les compagnies pétrolières pour essayer de comprendre, de collecter leurs préférences, leurs attentes doing business in Algeria. Et il convient tous que ils veulent avoir une visibilité sur le lancement du bid round. Donc on a arrêté un 5-year plan. Ça veut dire qu'on va essayer de lancer d'une manière régulière chaque année un bid round. On va se limiter à 4, 5, 6, entre 4 et 6 opportunités en fonction de nos ressources aussi, hein, parce qu'il y a toute une préparation. Le bid round d'hier, c'est plus d'une année de travail, hein. Donc on va continuer avec l'objectif d'attirer le maximum d'investisseurs en Algérie et intensifier l'exploration, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc c'est ainsi qu'on arrive à la fin de cette émission. Merci Monsieur Mourad Beledjem d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir été avec nous à partir du NAPEC au centre des conventions d'Oran. Je rappelle que vous êtes le président de ANAFT. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous chers amis auditeurs de nous avoir prêté attention.